l'été passé, vous l'avez revu cette année. C'est le gars qui fait Renault, qui était venu... Renault qui est venu scraper notre numéro l'année passée. Là, il fait... C'est la première fois de sa vie qu'il fait un gala en stand-up. Il est excité, il est nerveux, il est en arrière. Mesdames et messieurs, donnez-y de l'amour. Voici Pierre Hébert! Bonsoir! Vous êtes toujours en forme? Je suis vraiment très, très content d'être tout de venir stand-up. Deux. OK, c'est... Excuse, Pierre. Excuse, ton micro, il marche pas. Fait que prends celui-là. Mais ça va super bien aller. Alors, regarde, je vais te représenter. Non, sors pas, reste ici. On va arranger ça au montage. Mesdames et messieurs, donnez-y de l'amour. Pierre Hébert! Bonsoir! Check. Non, il marche, ce micro-là. Depuis que j'ai fait mon personnage de Renault, je m'en fais... Pierre Hébert! C'est pas de même que ça finit, ton numéro? Non. OK. Alors, excuse, parce que tu m'as dit, quand je dis Renault à la fin, oui, la mais musique je part... Oui, je leur dis plus tard. OK. Fait que la deuxième fois que tu dis ça... Parfait, je viens de comprendre. C'est beau. Ça va bien, par exemple, monte très pas au bout. Oh mon Dieu. OK. Depuis que j'ai fait mon personnage de Renault, tu vas. Pierre Hébert! C'est la deuxième fois que tu dis. Je viens officiellement de comprendre pourquoi il y a eu des menaces de mort. Ah, c'est sans dessin. Oh. Depuis que j'ai fait mon personnage que je nommerai pas, une espèce de déficient, je m'en fais souvent parler, par exemple, quand je vais dans un bar, à un moment donné, il y a une fille qui... C'est une boule de cake, c'est ça? Excuse, Pierre, parce que j'ai un gros tournoi dimanche, puis j'ai pas le temps de me pratiquer. Tu décolles. OK, excuse. Oh, mon Dieu. Depuis que j'ai fait mon personnage de déficient, je m'en... Oh, excuse, fallait que j'aille ma réserve. Excuse! Puis... Oh. Vous êtes contents, vous autres, hein? Depuis que j'ai fait mon personnage, je m'en fais souvent parler parce que... Oh! Excuse-moi, je savais... Sérieux? Je savais pas! Désolé, Pierre. Sérieusement, je m'excuse. Ça a parti de même, tu pèses là-dessus, puis ça part! Je visais Mike, je te le jure, je visais Mike, Pierre, j'ai pas fait exprès. Tu me visais, moi? Ben oui, je te visais. OK, vise-moi encore. Ah! Ça pince! Yeah! Ça fait mal, hein? Hey! Ça va, ça est non? Non! Oh. Vous êtes deux hosties de cabochons. OK. Hey! Je pense. Ça l'a frappé, ça m'a revolé dessus, ça m'a fait mal. Le but, c'est que je suis content d'être le dernier, puis hostie, j'ai rien. OK. Est-ce que tu sais pourquoi on fait ça, Pierre? J'ai un hostie de bonne idée. Honnêtement, je m'excuse. Pour ce que je vous ai fait l'année passée. Bon. Facile. C'est tout ce qu'on voulait. Merci. Oh.
Bon, ben, c'est bon. Fait que... C'était Patrick Gros. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on voulait. Patrick Gros. Applaudissez-le. Patrick Gros. Là. Pierre, merci. Regarde, on va te laisser finir ton numéro. Regarde, avec le montage, on va arranger ta chemise. Mais, mesdames et messieurs, Pierre Hébert. Non, mais... Je fais-tu mon stand-up ou je le fais pas? Ça vous tente-tu? OK, j'ai aucune idée que mec vont s'arranger. Depuis que j'ai fait mon personnage, il y a tout le temps quelqu'un qui vient m'en parler. À un moment donné, je suis dans un bar, il y a une petite madame, elle me voit de loin et elle fait « Oh, oh, je le connais, lui. » Elle se lève, elle vient voir et elle fait « Hey, est-ce que c'est vous qui avez fait le personnage de Renaud avec Patrick Gros? » Fait que je fais signe que oui, puis elle fait « Oh, je voulais vous dire, je vous lève mon chapeau pour tout le courage que ça prend pour faire de l'humour dans votre condition. Bravo! » C'est vendredi, on fait l'amour. C'est bon. Monsieur, excusez, là. C'est ça que j'aime de toi, Pierre Hébert. T'es tellement naïf. Hé, regarde ça! Les points de neuf! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, Ah, c'est vendredi en tabarnak, certain. Je sais pas comment sortir de ça. Hein? Je vais t'aider un peu. Danger! Danger! De sortir! Patrick Gros! Hey! Et votre animateur aussi qui avait une superbe job, Mike Ward! Merci, merci, Pat. Merci beaucoup. J'aimerais inviter toutes les humoristes sur scène. Venez-vous-en. Gros, gros, gros merci à vous, le public. Vous avez été écœurants. Merci au monde qui ont travaillé sur ce show-là. Pierre Fiola pour les textes. François Léveillé, Emma Toussaint-Léveillé pour la mise en scène. Merci à Juste pour rire, Éric Bélé, Manon McHugh, Snick, à tout le monde. Merci à Gilbert. Merci à tout ce monde-là. Merci. Bonne fin de soirée. À l'année prochaine. Bye.